Snap qui bourdonne, premier épisode. Femme de Marc Gagnon, si tu es montée aux cieux, c'est par la volonté de Dieu. Car ton mari, le réalisateur parti, il n'y avait plus aucune raison de te garder ici. Amen. Voyons, Marc, braille pas de même. Je braille pas, j'ai le rhume. Ah oui, on va prendre une bière. Cibolac, Maroussia, t'as donc ben de l'air triste. C'est Hugo. Depuis qu'il est aux États-Unis, je m'ennuie tellement de lui. Hugo, tu es revenu. Oui, ma, je suis revenu. Pour de bon. Hugo, tu dois retourner aux États-Unis. Allez, Boost, dehors. Gagnon, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. Ouais, c'est quoi la bonne? Tu joues sur le power play à soir. Ouais, c'est quoi la mauvaise? À Kalamazoo. Tu peux me dire ce que plus que moi ton maudit docteur? Comprends-moi, Pierre. Tu es beau, jeune, fringant, alors que lui est gros, moche, barbu. Tu fais pas le poids, Pierre. Sacrement! Jojo, Oui, Lulu? Terry Harper? 3 buts, 4 passes en 17 ans. Ouais. Templeton? 722 minutes de pénalité en 17 ans. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est quoi mes statistiques? Une blonde, puis 2437 poignets en 17 ans. Sergueï. Mais mon Dieu, qui êtes-vous? Je m'appelle Natacha. Je suis le dernier fantasme de Richard Tremblay. Merci, Richard. Hey Patrick, c'était cœur, hein? J'ai dégoté une job d'enseigner le mannequin aux Chinois. Hey, qu'est-ce que t'as, Patrick? T'es tout en sueur? T'es-tu malade? Mais non, Suzy. C'est la super forme. C'est seulement ton accent que je suis incapable de supporter. Tu baignes-tu? Mais si, je teigne. Allez, écoute-moi bien, Gilles, hein? Il n'est pas question que j'accroche mes patins, c'est-tu clair? Bout de vierge, Marc. Quand tu patines, on dirait une reprise au ralenti, ponlieu de ponlieu. Au ralenti? Ben, quand au ralenti? De ses enfantillages. Tu as raison, Lucie. Mais qu'est-ce que tu regardes toujours dans ton microscope? Ça s'appelle Les hommes préfèrent les noirs. Le but du national compté par le numéro 7, Marc Gagnon. La première étoile, Marc Gagnon. Le petit Marc Gagnon, 7 ans, est demandé par son papa au comptoir d'information. Le petit Marc Gagnon. À suivre.